Bonjour, je m'appelle Henri PFR et j'ai rendez-vous pour un tournage avec Silent Jill. C'est un tournage, je suis DJ, je fais de la musique, I follow you until the end, wherever you are, and the fire fire. Enfin, je devrais savoir où aller pour le tournage. Allez, Silent Jill. J'ai vu des gars étranges, enfin, je sais pas si c'était une bonne idée cette vidéo, je sais vraiment pas si c'était... Henri, il est 21h, il y a plus que nous deux dans les bureaux, hein. Il y a personne qui est d'accord. Non, il y avait des gens bizarres, enfin, je... T'es en stress pour la vidéo ou quoi? Ouais. Enfin, calme-toi, allez, respire, ça va bien se passer, tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Voilà, donc on vient d'arriver sur les lieux avec Henri. Il sait pas encore où je l'ai emmené. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un camp de vacances, un hôpital et un home dans les alentours. Et c'est vraiment les trois endroits... Ouais, c'est ce qu'on a vu sur les panneaux en arrivant. Alors, je sais pas si tu... Non, tu verras rien, parce qu'il fait fort sombre avec la lumière de... Non. Ça va nous aveugler. Mais on est juste à côté et en fait, je t'ai emmené dans un sanatorium. Mec, tu vas te chier dessus. Je vais me chier dessus aussi, en fait. C'est un vieux sanatorium. Donc, un sanatorium, c'est l'endroit où on soignait les tuberculeux. Donc, il y a eu énormément de morts. Et c'est les vieux hôpitaux où on soignait la tuberculose. Mais pas la maladie qui traîne encore. Non, ça non. Mais... Et alors, quand même, pour vous le dire, que c'est soir de pleine lune. Oh oui. C'est horrible, j'aime pas du tout. En fait, comme je disais, genre, au début, genre, ça m'amusait et tout, mais là, quand t'es à l'endroit même, là, tu te rends compte que... Ça se pèse, hein. Que c'est très spécial. Quand t'es rentre dedans, là, ça fait bizarre. Oh là là, regarde ici. Oh, what the fuck. J'ai pas... Avec le petit chemin. Bon. Oh putain, le bâtiment est immense. C'est énormissime, je sais pas si vous voyez, genre jusque là au bout, mais... Ouais, c'est sincèrement, c'est genre... C'est vraiment très très bon, je vais essayer de régler mon faisceau pour qu'on... 80 mètres, je sais pas. Là, tu vois mieux quand je fais comme ça, regarde. Tu vois ou pas? Tu veux que j'éclaire? Regarde ça. C'est énorme. C'est gigantesque. En vrai, faudrait faire genre 10 épisodes de Silent Hill pour te visiter. Le moindre bruit que tu fais dans le genre de joie est fois mille, tu vois. Vas-y, passe devant. On a quand même affaire à chaque fois à des mecs super courageux qui me demandent à tous les coups de passer devant. Merci, Henri. De rien. C'est avec le plus grand des plaisirs. En fait, je me rends quand même compte qu'au fur et à mesure qu'on fait des épisodes, je commence un peu à connaître, genre... Non, genre à m'endurcir, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai moins peur que les premières fois. Ouais, mais je pense que quand tu iras dans la pièce, genre, dans l'aile centrale, c'est là où ça va... Quoi? J'ai un...
J'ai le stress. Quoi? Regarde là, la porte, le mur. Oh, putain, j'ai cru que c'était du sang, tu vois, que c'était écrit en sang. J'ai bien sauré. Oh là 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 là. Genre là, ça te fait pas peur, toi? Si. Oh, putain, c'est horrible, oh. Les dessins. Oh. T'as ça? C'est glauque, ça. C'est un putain de chute. Qu'est-ce? J'ai découvert des dessins d'enfants accrochés à nous. C'est super glauque. Ce qui est méga glauque, c'est que tu te dis, genre, quand tu vois le bâtiment, tout a été détruit, tu vois, les vitres ont été détruites, les portes ont été détruites, tout est détruit, mais les trois petits dessins d'enfants sont restés intacts. Ils ont la main intacte, là, tu vois, sur les murs. Ah! Quoi? Je pense que c'est quoi? Ah, ça doit être des cacadras ou... Non, c'est dur, c'est des cailloux. Je sais pas. Et on dirait des crottes de. Non, ça me des crottes de lapin ou de rat. C'est très rond. Voilà, j'ai le truc aussi. Ah, c'est la rue Poitiers. C'est un avion. C'est un avion. Ok. C'est un avion. C'est un avion. Ouais, c'est un avion, ça. J'espère que c'est un avion. Attends. Faites attention. Ouais. C'est toujours longtemps pour un avion, quand même. Ça s'arrête pas comme ça, on a quoi un avion? Ça part de... Mais t'as... Je sais pas dans quoi tu m'as emmené. Arrêtez, putain. Ça s'arrête plus. Putain, c'était quoi ça? Le stress. Putain. C'est ouf parce qu'il y a vraiment rien qu'à résister, quoi. Ils ont mis les portes et tout. Quoi? Ça, oh, ça c'est dingue. L'ascenseur, c'est la cage d'ascenseur. Qui est là. Qui est où l'ascenseur? Juste là. Oh, putain, j'avoue que ça c'est ouf. Oh mon dieu. Je sais pas si t'as vu ce film Grave Encounters. C'est pas un truc où il y a le diable dans l'ascenseur. Ça. Non, ça c'est Devil Inside. Ouais, c'est ça, ouais. Ça. Mais Grave Encounters, c'est un groupe. Un peu comme nous, tu vois, mais c'est des enquêteurs du paranormal, ouais. Une émission de télé, et ils vont dans un asile psychiatrique abandonné, et en fait, ils savent plus sortir du bâtiment, genre, il y a plus de sortie, quand ils ouvrent les portes, c'est des murs. C'est une fiction, c'est un film. Ouais, c'est un film. Et il y a une scène à un moment donné, comme ça, avec un vieil ascenseur qui ressemble, mais à mort. Excusez-moi d'avance d'ailleurs, si vous verrez peut-être un screamer de cette fameuse scène. Ouais, toi t'aimes bien les screamers en plus. Ouais. Tu le sens, le courant d'air? Oui, je le sens, Jill. Je suis stressée. Oh, regarde, comment ça commence. Quoi? Non, je sais pas, y'a rien, mais c'est méga stressant. Toujours flippé. Ouais, tu vois le long couloir comme ça. Le long couloir, comme ça. C'est ouf. On est dans les sous-sols du bloc. Bloc sous-sol. Tu connais un peu l'histoire du bâtiment? Donc en fait, on peut retrouver quand même pas mal d'articles sur internet qui expliquent que c'est un sanatorium qui est de réputation hanté. Pourquoi? Parce que dans le temps, quand les tuberculeux se faisaient soigner ici, il y avait énormément de morts en fait. Putain, c'est hyper flippant. C'est très flippant. Du film là. Viens, va au milieu. C'est extrêmement flippant. C'est incroyable. Je sais pas, je commence vraiment un peu à... Je commence vraiment à flipper. Oh, ça c'est quoi ce trou là-bas? Viens voir. Oh oh. Non. Non. Oh putain. Non. Il y a quelque chose ou pas? Ou c'est un vide ventilé? Non, c'est un vide ventilé, ok. Okay. Putain, j'ai cru que c'était un truc. Ouais, j'étais en mode genre, non, ça, on y va pas. Et je te connais, t'adorais de fisti, genre, ouais, non, viens, on y va. Ça continue, quoi. Tu vois.
Il fait froid, sincèrement, ouais. Attention, Chris, attention. C'est assez dangereux, quand même. Oh, mon Dieu. Oh, putain, je déteste ça. Il doit y avoir, à mon avis, à proximité, un ruisseau ou une petite rivière, parce qu'on entend vraiment un courant d'eau. Attention, parce qu'il y a plein de trous, Henri, fais gaffe. Hein. J'ai pas envie d'avoir ton manager sur le dos. Hein. Oh, mais c'est des grands trous, hein. Ouais, fais gaffe, hop là. Regarde, parce que où tu vois, fais gaffe, il marche pas là-dessus. Putain. Ouais, parce qu'en plus, moi j'ai entendu que récemment, il y avait des, genre, des endroits où tu pouvais faire de l'urbex, ouais, et il y a des mecs qui cachent des pièges. Qui cachent genre, ils mettent des plaques pas solide au-dessus des grands trous et tu tombes dedans quand tu marches, quoi. Donc tu dois faire vraiment gaffe où tu mets les pieds. Putain, c'est cool que tu me dises ça maintenant. Allez, on est sûr. Il fait super froid. Il fait même plus froid. Il fait plus froid à l'intérieur que dehors. J'ai l'impression qu'il fait très froid. Qu'est-ce que tu... En fait, c'est bizarre. Quoi ? Ok, là, je pense qu'on commence à rentrer dans les parties intéressantes. Oh oh. Eh ben, ça, c'est le truc qu'on voyait dehors. Ouais. Oh, putain, oh, putain, c'est énorme. En fait, c'est bizarre. Je vous explique pourquoi. En fait, je trouve que tu sens... Il y a un truc bizarre. Tu vois, il y a un truc bizarre. Un truc bizarre. Mais c'est pas un truc mauvais. Bah, ouais, j'avoue. Quoi ? Ici, il y a un truc mauvais. Hein. Ouais, ici, c'est très bizarre. Ici, j'ai vraiment... En fait, j'ai un truc, je vais t'expliquer ce que c'est, Henri. Quand j'entre dans une pièce où il y a quelque chose, j'ai des frissons très particuliers. Non, vraiment, hein. je l'ai sur différentes vidéos que j'ai fait d'urbex, je l'ai pas partout. Mais il y a des endroits où je le sens, par exemple, ici, je le sens très fort, mais après, ça ne me fait pas peur, mais c'est très fort. Hein. Si, c'est des choses. Ouais. Mais... Putain, c'est pas ça, quoi. Tu penses vraiment. Mais c'est pas mauvais. Dans la maison, on est, dans le manoir, on était avec Maria. Tu sens aussi, toi ? Ouais, moi, c'est vrai que genre, ici, je suis rentrée, j'ai pris genre un respiration. Dans les pièces d'avant ou pas ? Non. Ici, oui. Ici, j'ai sorti. En fait, c'est drôle que tu fais cette réflexion parce que j'avançais par là-bas. Et je me dis, genre, j'ai envie de continuer. J'ai pas les avant. Ouais, là, ici, il y a vraiment quelque chose. Une ambiance. Je sais pas si. Regarde. Filme. Tu le vois ou pas ? Vraiment un truc bizarre. Tu le vois ? Ouais, c'est ça. D'accord. Regarde, tu vois. Et c'est vraiment particulier. Et alors, un truc que j'ai aussi, que j'ai encore jamais dit, mais qui est avec les frissons, c'est hyper bizarre, mais genre, je salive blindée quand j'ai ça. Donc, en une fois, j'ai beaucoup plus de salive en bouche. Je sais pas si ça fait partie du truc des frissons aussi, c'est très bizarre. On est tous d'accord pour dire qu'on a ressenti une frisson. J'ai vraiment un frisson. Là, j'ai vraiment un frisson. Non, j'étais un peu malade. Mais je rentre pas mon sac avec du poulet. Pour qu'il te survive. Pour qu'il te survive, il faut savoir que j'ai pris genre. J'ai pris des bouchons là. Au cas où j'ai commencé à pleurer, je vous entends bien. Merci, ça va. C'est encore rire. Ouais, c'est très bien. Putain, je commence à me sentir mal. On va pas aller là-bas, mec. C'est peut-être pas spécialement l'endroit, mais c'est peut-être juste quelqu'un qui se balade. Et tu vois, une dame errante qui se balade à ce moment-là, près de nous dans la pièce, tu vois, mais qui est peut-être d'un autre endroit. Moi, je crois pas aux fantômes et tout ça.
Voilà, allez. Ouais, il y a un truc bizarre. Tu peux ne pas y croire, mais tu peux quand même dire que c'était chelou, quoi. Il y a un truc très bizarre. Je me demande toujours. Putain, Chris, il le fait exprès. Je me demande toujours avec quelle violence est-ce qu'ils ont été éjectés d'ici, tu vois. Et si c'est pas de ça que l'endroit est chargé, de mauvaises ondes, de ça. Ouais. T'as vu, genre, ici, c'est bizarre. Tire de balle ou quoi, j'en sais rien. C'est quoi cette. Suspense. Tu veux dire qu'on avance ? On passe par la porte là. Hugo ? Il y a un escalier ou un truc comme ça là ou pas ? Ouais, il y a un escalier là. Ok. Ici, c'est aussi pas net. Ici, il y a eu des morts. Tu sens ou pas? Ouais. Ici, c'est bizarre aussi. Ici, il y a eu des morts. D'office. Je commence à halluciner. Je commence vraiment à halluciner. C'est quoi ça qu'on voit là? C'est quoi? Le truc blanc. Je sais pas, c'est genre pas un sac poubelle, c'est genre on dirait un petit. Ouais, avait... Une perruque, tu vois. Ouais, on dirait une perruque. T'imagines, on a un coup, c'est une tête qui serait dedans. C'est une porte, mais il y a celui vide. Putain. Il n'y a pas d'escalier, il n'y a rien. Normal, quoi. Putain, c'est hyper chelou. Pourquoi s'il y a une porte? Mec, ça n'a rien à foutre là. Une putain de porte sur le... une porte sur un mur vide. C'est hallucinant, pourquoi s'il y a ça, quoi. J'ai quand même en train de visiter. C'est horrible, hein. C'est quand même un peu glauque. Ah, je crois qu'il y a des escaliers, là. Sincèrement, c'est une expérience à vivre, quoi. Bien, ouais, c'est vraiment ouais, une expérience. Voilà, on vient de là, ok. En fait, t'es dans l'explication qui se passe une roule. Ouais, mais à la fois... Pas, tu te dis, non, s'il vous plaît, quoi. Ouais. Franchement, le truc qu'on avait fait le mariage, j'ai pas envie de vivre le deuxième, parce que c'est l'horreur. Ouais, ça, je vais bien te croire. Mais après, genre... Ouais. C'est cette grande pièce-là, après, c'est peut-être moi dans ma tête, mais... Bah, je sais pas, on a tous les trois... les grosses sensations, tu vois.
On va par là. Oh putain. Quoi? Je sais pas, mais genre... Je pars en étoile. Oh putain. Ok, donc là on est où? Donc pour repartir, en fait on pourrait faire le tour par l'extérieur pour regarder un peu ce que ça donne. La rivière. Ou... Ça soulage quand une fois que t'es dehors. Ouais, hein. Une fois que t'es dehors, ça soulage. En fait, c'est quoi la température là? Ouais, c'est pas. C'est pas net net quoi. Ce bâtiment quoi. Ouais. Tu vois l'hôtel de Shining? Ah non, mais pas. Eh ben ça ressemble un peu à l'hôtel de Shining, je trouve. Tu trouves pas, Chris? Ça, l'hôtel de Shining à mort, hein? En plus grand. Ouais. Voilà Henri, c'est ici que se termine ton exploration. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? Écoute, sincèrement, c'était. Je sais pas, on n'a pas eu de bruit particulier, enfin peut-être à un moment ou quoi, mais il y avait une sorte d'atmosphère, d'ambiance, pas confortable en fait. T'es pas à l'aise quoi, t'es pas bien. Est-ce qu'il y a eu un moment particulier où t'as eu ouais. Plus on l'a de tous sensations? Eu, hein. Oui, c'est dans la grande pièce là. Dans la grande pièce principale. Ouais, où là on était tous. Enfin, en fait moi quand je suis rentré, j'ai vraiment genre, je sais pas, genre eu envie de continuer à marcher et comme ça je. J'avance, puis j'ai regardé le fond et j'ai regardé ce couloir et ça m'a donné envie d'y aller, même si j'avais méga peur. Mm-hmm. Après, vous avez tous les deux dit avoir ressenti un truc et moi je l'avais ressenti avec cette envie d'avancer. Et donc ouais, de base, genre ouais, enfin, je l'ai dit, genre, je pense 50 fois pour me soulager, je crois pas aux esprits, je crois pas aux fantômes. Et mais là, il y avait, je sais pas, une sorte de présence quoi, je sais pas comment expliquer, c'est peut-être dans ma tête, mais ouais, il y a un truc. Ouais, il y avait un truc, ouais, pas clean. Il y avait un truc pas clean. Non. Quoi. En fait, tu sens que ce bâtiment, il a quand même vécu des trucs. Ouais, 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 c'est ça. A... Tu sens que les murs, ils ont vu des trucs. Ouais, quoi. Les murs ont vu des trucs. Ouais. Les murs ont une histoire. Et je pense qu'il y a des gens qui, ouais. Mais c'est pas que je pense, c'est qu'il y a des gens qui sont morts là-dedans. Bah oui, c'est ça. Et ça se sent. Tu le ressens, tu le ressens que c'est chargé en énergie, en fait. Il y a après, énormément d'énergie, c'est ça. Pas forcément négatif. Non, pas forcément négatif. C'est juste chargé en énergie. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Enfin voilà, en tout cas, j'espère que. Ouais, c'était une expérience de malade. Plu c'est une expérience de fou. Et que tu raconteras à tous tes potes que t'as fait un truc absolument ouais, dingue. Non, c'était vraiment. Pour le coup, c'est. Bah, je conseille à tout le monde qui a l'occasion de le faire, foncer parce que ouais, c'était vraiment un truc de fou. On va clôturer ce débriefing parce que j'imagine que t'as plein de chouettes promos aussi qui arrivent. Ouais. Est-ce que t'as envie de nous parler de. Ouais, bah écoute. Qu'est-ce qui se passe pour les prochains mois pour toi? Il y a mon prochain morceau qui sort, okay. C'est vraiment le gros truc du moment, donc il s'appellera In The Mood, et c'est avec Romeo Blanco et Veronica, donc c'est sur ma page cool. Facebook, sur mon Instagram, sur YouTube, enfin ce sera partout. Et le morceau sort quand? Et le morceau sort le 20 octobre. Ok, génial. Donc le 20 octobre, juste avant le Halloween. Prochain morceau, et c'est vraiment genre, c'est l'info du moment. Et c'est... Ah, cool. Donc n'hésitez pas à aller checker et à me donner votre avis en commentaire, forcément. Alors maintenant que le debriefing est fini, en fait, vous connaissez le principe, hein, l'invité choisit qui sera le prochain. Sauf qu'ici, en fait, on a une méga surprise. Ouais, pour le coup, c'est vraiment une méga surprise. On a vraiment une méga surprise pour le prochain. Et donc, on va pas vous annoncer qui c'est, on va juste vous laisser la surprise. Mais je peux déjà vous le dire, vous allez être sur le cul. Ouais, ouais. Putain. Franchement, pour le coup, vous allez vraiment être sur le cul. Voilà. Bon, merci beaucoup, Henri, d'avoir merci participé. En tout cas, c'est super cool. C'était une expérience cool. De ouf. C'était vraiment très chouette de t'avoir. Super à l'aise maintenant pour papoter. mais moi, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à partager un maximum la vidéo. Surtout aussi à vous abonner. Lâchez un pouce bleu. Si je dis jamais ça dans mes vidéos d'habitude, mais bon là je le dis, voilà, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, partagez et parlez-en autour de vous pour ceux qui aiment justement là, un peu les phénomènes paranormaux et les vidéos qui font peur. C'est la chaîne YouTube avec laquelle vous ne dormirez plus ce soir. Non. On vous embrasse, ciao. Bisous, ciao, ciao. Should I fall in love or let you go? Fall in love or let you go?